Parmi ces nouveautés, donc en matière sociale, je voudrais évoquer dans un premier temps l'augmentation importante du SMI, donc l'équivalent du SMIC en France. C'est une augmentation qui est très importante puisque depuis l'arrivée au pouvoir de l'actuel gouvernement en 2018, il y a eu une volonté donc de rehausser le niveau des salaires et notamment par l'augmentation du SMI. Cette hausse, hein, a été de plus de 30% en 3 ans, hein, donc c'est quand même une hausse très importante et notable. Donc actuellement, le SMI est de exactement 13 510 euros annuels, hein, ce qui fait un SMI mensuel, enfin un revenu mensuel de 1 125 euros bruts, si on le ramène sur une base de 12 payes. À titre de comparaison, hein, en France, il est donc de 1 589 euros, et donc en Espagne à 1 125. Après, il faut comparer aussi le revenu net, hein, puisque les cotisations salariales en France sont beaucoup plus élevées que les cotisations salariales en Espagne. Hein, elles sont de l'ordre de 21 à 23% en France contre 6,35% en Espagne. Donc, si on ramène ça sur un revenu net, en Espagne, on est sur un revenu, enfin, un SMI mensuel net de 1 055 euros contre 1 240 en France. Donc, voilà, donc le retard tend à se combler, en tout cas entre le SMI, le SMIC français et le SMI espagnol. En fait, l'objectif du gouvernement, c'est de porter ce revenu à 60% du salaire moyen espagnol d'ici la fin de la législature en 2023, et donc de rattraper le retard sur les salaires des voisins européens. Donc mécaniquement, normalement, cette augmentation du SMI devrait avoir pour impact d'augmenter aussi les minimums conventionnels des conventions collectives. Un autre grand changement social également est l'allongement et la durée du congé paternité. Avant 2017, il était de 15 jours, ce congé paternité. Il est passé à 30 jours en 2017, 5 semaines en 2018, 8 semaines en 2019, 12 semaines en 2020, pour arriver cette année au 1er janvier à 16 semaines, en fait l'équivalent du congé maternité. Hein, aujourd'hui, le congé paternité est égal au congé maternité. Donc, c'est vraiment une évolution sociale très importante, et notamment pour toutes les questions de conciliation de vie professionnelle et vie personnelle. Hein, ce qui permet éventuellement donc à l'enfant la première année d'être partagée donc entre la mère et le père, hein, qui se partagent effectivement donc les 32 semaines. Autre bouleversement notable pour les entreprises est l'obligation de mettre en place l'enregistrement quotidien des heures de travail, et ça, quelle que soit la taille et le type de contrat. Cette loi, en fait, elle date de 2019, mais elle n'est pas si récente qu'elle existait déjà pour les temps partiels, pour les contrats à temps partiel. En fait, elle a été simplement étendue à l'ensemble des contrats de travail. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la loi, mais ce registre doit inclure les heures spécifiques de début et de fin de la journée de travail pour chaque salarié. Donc, il faut noter que c'est un registre journalier, hein, donc il doit être rempli quotidiennement. J'en profite au passage pour vous préciser que le statut cadre ou la notion de salarié au forfait n'existe pas en Espagne. Donc, cette loi s'apparente à du pointage. Elle concerne l'ensemble des salariés, hormis l'équipe dirigeante. Or, le pointage n'est pas du tout dans la culture du travail en Espagne. Donc, c'est une obligation qui semble poser problème quant à son application, notamment pour certaines fonctions où en France, on aurait opté pour un forfait jour plutôt que pour un volume horaire. Hein, et je vois bien les entreprises françaises qui viennent nous demander des conseils ne comprennent pas effectivement qu'on ne puisse pas mettre en place ces forfaits jours comme on peut le faire en Espagne. Donc même pour un cadre, ici, va s'appliquer le volume horaire et donc l'obligation de mettre en place ce registre quotidien et journalier des heures de travail. Et ça devient compliqué aussi, hein, pour des commerciaux, par exemple, hein, qui vont avoir des horaires finalement qui sont assez étendus sur la journée. Hein, et donc, tout ça va se heurter finalement aujourd'hui avec cette nécessité de flexibiliser le temps de travail en entreprise. Je rappelle aussi qu'en Espagne, les heures supplémentaires sont possibles, mais uniquement dans la limite de 80 heures, ce qui peut faire relativement peu, hein, pour certains secteurs d'activité. Mais très clairement, cette loi sur l'enregistrement des heures de travail et sur la limitation des heures supplémentaires à 80 heures, ces lois ont pour but de lutter contre l'abus des heures supplémentaires en Espagne, hein, et donc de recadrer un petit peu effectivement le temps de travail. Comme beaucoup de pays européens l'ont fait auparavant, l'Espagne s'est aussi saisie de la question épineuse de l'égalité professionnelle. Et les entreprises ont l'obligation aujourd'hui de mettre en place un plan d'égalité homme-femme. Par contre, sa mise en œuvre est fonction du nombre de salariés. Hein, aujourd'hui, depuis mars 2021, seules les entreprises de plus de 100 salariés doivent mettre en place cette obligation. Et à partir de mars 2022, ce seront les entreprises de plus de 50 salariés qui seront également concernées.
Donc, a priori, pour l'instant, ça ne concernera pas les entreprises de moins de 50 salariés. Ce plan d'égalité doit, au regard en fait, du constat effectué dans l'entreprise, proposer des mesures correctives et un calendrier d'accompagnement, ainsi que des dispositions pour le suivi et l'évaluation du plan. Ça va concerner plusieurs domaines des ressources humaines, ça va concerner les procédures d'embauche et de sélection, ça va concerner le système de classification professionnelle, la formation, la promotion, les conditions de travail, bien sûr la question des rémunérations entre les hommes et les femmes, l'équilibre vie professionnelle et vie privée, la sous-représentation des femmes dans les postes à responsabilité ou de direction, les mesures de prévention et de lutte contre le harcèlement sexuel et aussi la mise en place de procédures de réclamation et de dénonciation. Dans le même ordre d'idées et pour lutter contre la discrimination salariale, mais pas forcément qu'au niveau homme-femme, hein, mais discrimination salariale sur l'ensemble des postes de travail dans l'entreprise, depuis le 14 avril 2020, donc c'est relativement récent, les entreprises espagnoles ont obligation de tenir un registre des rémunérations, et ce, par contre, quel que soit l'effectif de l'entreprise, donc y compris pour les entreprises de moins de 50 salariés. Le registre des rémunérations, c'est un document dans lequel sont enregistrées ou doivent être enregistrées toutes les valeurs moyennes des salaires donc des collaborateurs d'une entreprise, y compris les compléments de salaire, les avantages en nature. Et ces valeurs doivent être ventilées par sexe, réparties par groupe professionnel, par catégorie professionnelle ou par emploi de valeur égale. Donc, normalement, ce registre doit être remis aux représentants légaux des salariés, mais toutes les entreprises ne possèdent pas de représentants de salariés donc au cœur de l'organisation. Donc, en l'absence de représentants, le salarié pourra également avoir accès à ce registre. Mais dans ce cas, l'information à fournir se limitera aux différences en pourcentage qui existent dans la moyenne des rémunérations des hommes et des femmes, voilà, qui doivent également être ventilées en fonction de la nature de la rémunération et du système de classification applicable dans l'entreprise. Voilà, donc là, on ne dévoilera pas la moyenne des salaires, mais ça sera uniquement les différences en pourcentage. Voilà. Par contre, à partir du moment où on a des représentants qui sont dans l'entreprise, ces représentants donc, auront accès à ces moyennes salariales et pourront informer donc, les salariés de ces moyennes salariales. Voilà, on peut imaginer que, outre les pénalités que peuvent encourir les entreprises qui n'ont pas mis en place ce registre, ces questions de discrimination salariale vont faire l'objet de nombreux contentieux devant les tribunaux dans le futur. Enfin, dans les dernières nouveautés, nous ne pouvons pas ne pas évoquer la récente loi sur le travail à distance. Donc, en Espagne, jusqu'en 2020, travailler en télétravail était assez rare. Et la crise sanitaire résultant donc de la COVID-19 et des restrictions imposées par l'État ont brusquement provoqué en fait l'irruption de ce régime de travail dans les entreprises. Bon, c'est vrai en Espagne, hein, c'est vrai partout en Europe, hein, mais je pense que dans certains pays européens, cette question du télétravail était déjà au cœur de certaines négociations internes, alors que c'était relativement très rare ici en Espagne. Alors, il s'agissait, hein, lorsque le gouvernement espagnol a mis en place cette loi sur le télétravail, il s'agissait dans un premier temps d'assurer le maintien de l'activité pendant la pandémie et de ralentir la propagation du virus. Mais on constate maintenant, même si la crise n'est pas complètement derrière, mais on constate sur le terrain que le travail à distance va s'imposer aux entreprises au-delà de cette crise, que ce soit pour les PME comme pour les grosses entreprises. Voilà. Et on peut pressentir déjà maintenant qu'il va devenir un élément d'attractivité et de fidélisation des ressources humaines. Pour cette raison, et compte tenu du peu de réglementation sur le télétravail qui existait jusqu'à présent en Espagne, donc, le gouvernement a publié une loi donc en septembre 2020 afin de réglementer les conditions du travail à distance et du télétravail. Alors, ça va réglementer, bien sûr, enfin, les aspects concernés vont être les limites du travail à distance, la flexibilité des horaires, les conditions pour pouvoir travailler à distance et l'obligation en Espagne de supporter les coûts découlant du télétravail. Alors, pareil, je ne vais pas développer ici, parce qu'on pourrait effectivement y passer beaucoup de temps, je ne vais pas développer cette loi, mais je vais quand même vous parler des points essentiels. Donc déjà, cette réglementation s'applique aux salariés qui travaillent à distance de façon régulière. Qu'est-ce que ça veut dire travailler à distance de façon régulière? C'est au moins 30% du temps de travail à distance sur une période de 3 mois. Ce qui fait que sur une semaine de travail de 5 jours, la moyenne est de 1,5 jours. À partir du moment où votre salarié est concerné par travailler à distance au moins 1,5 jours, il est concerné par cette loi. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe pour les collaborateurs qui finalement seront en dessous de cette moyenne de 1,5 jours par semaine?
Pour l'instant, la loi ne prévoit pas. Le travail à distance doit être volontaire, hein, pour les deux parties et nécessite donc un accord écrit avant sa mise en place. On voit très bien aujourd'hui que dans beaucoup d'entreprises, le télétravail a été mis en place sans pour autant qu'un accord ait été mis en place entre le salarié ou en tout cas enfin, le salarié et l'entreprise ou entre les représentants du personnel et l'entreprise. La décision de travail à distance ou en présentiel sera réversible, hein, aussi bien pour l'entreprise et pour le salarié, suivant ce qui a été établi dans l'accord ou les négociations collectives. Le travail à distance ne dispensera pas l'entreprise d'enregistrer les heures de travail et donc l'enregistrement des heures de travail devra refléter de manière fidèle le temps que l'employé consacre à son travail et inclure les horaires, pardon, de début et de fin de la journée de travail. Donc, ce qui est effectivement souvent très compliqué sur ce type d'organisation. Les personnes qui travaillent à distance ont le droit à la déconnexion digitale. Donc, c'est pareil, hein, c'est des questions là, qui vont être cruciales dans les mois à venir. Et l'exécution du travail à distance doit être rémunérée ou en tout cas compensée par l'entreprise, hein, parce qu'il ne doit pas entraîner de frais supplémentaires pour le salarié. Donc, il doit y avoir une prise en charge des dépenses liées aux équipements, aux outils et aux moyens liés à l'exercice de l'activité professionnelle à distance. Donc, ça peut être, par exemple, on va se poser la question de la prise en charge, par exemple, de l'abonnement Internet, tout simplement. Ou la mise à disposition de matériel, d'un ordinateur, d'une chaise ergonomique. Voilà, c'est toutes ces questions-là, en fait, qui vont se poser. En fait, le travail à distance va permettre aux salariés, hein, d'effectuer son travail de manière plus flexible, ce qui va représenter des avantages pour le salarié, notamment peut-être en termes de meilleure conciliation de vie personnelle, familiale ou professionnelle, de réduire aussi le temps de trajet entre le domicile et donc le lieu de travail. Mais les observations récentes ont démontré que ces nouvelles modalités peuvent également apporter des avantages pour les entreprises, comme des économies de coûts de bureau, mais aussi d'attirer et de retenir les talents, ou même de réduire l'absentéisme. On pourrait rentrer effectivement dans tous ces débats-là, mais pareil, ça va demander encore beaucoup de temps.